Bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez hyperbement bien. Même si la Côte d'Ivoire est en deuil, je prie que vous allez tous bien, quoi. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, cher Gladia, Ibawa ne fait pas beaucoup de vues. Je vous explique. Et quelque part, c'est pas intéressant, mais en même temps, c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Dans aussi cette vidéo, je parle de deux artistes qui peut-être j'ai jamais abordé leur sujet ici sur ma chaîne. Le groupe Les Toofans. Oui, il faut qu'on parle des Toofans aujourd'hui. Oui, j'ai envie de parler des Toofans aujourd'hui. Voilà, c'est votre MCVT Eritor. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donnez surtout vos avis en commentaire. Partagez, partagez, partagez. Envoyez mes vidéos partout, s'il vous plaît. Merci, on se prend juste après le générique. C'est zéro qui n'est pas bon, demande à Blaka. J'aime des Togo, moi j'emprunte mon Baka. Au petit déjeuner, c'est galette et Baka. Il se joue au Tog, il est parti à la Maca. Au petit déjeuner, c'est galette et Baka. Il se joue au Tog, il est parti à la Maca. Donne-moi ta localisation, il se peut que ce soit je viens dans tes parages, mais j'attends ta confirmation par... Bon retour chers abonnés, depuis un certain moment je vous fais la pub, je vous fais la promotion d'une œuvre spirituelle, une œuvre très importante, d'une œuvre vraiment très efficace, l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du grand Ahmed Balaki. Cet écrivain là qui a envie de vous donner une autre interprétation, une interprétation plus poussée des versets coraniques et de l'essentiel que ce livre Saint-Là veut nous véhiculer. Voilà, vous voyez comment les personnes très importante de notre ère sont en train de mourir sans aucune logique. Je pense qu'il faut vous accrocher à ces œuvres-là pour d'abord vous protéger et être plus fort spirituellement. Voilà, c'est très important. Donc, vous pouvez trouver le livre dans toutes les librairies de France, des Côtes d'Ivoire et plus précisément à Macquarie, à la librairie African Kingdom. Je vous parle aussi depuis un certain moment d'un jeune rappeur, Dieu merci. Je vois les commentaires sur ma vidéo qui disent que ce rappeur, il est très talentueux, il est très fort. Baltimore, c'est avec son premier projet de localisation. Moi, je veux simplement que vous le donniez beaucoup de vues. Voilà, vous partez regarder son morceau, son clip qui est très original. Vous partagez le lien partout, partout, partout. Vous vous abonnez et vous donnez quelques commentaires d'encouragement. Voilà, quelques mots d'encouragement sous son clip. Ça va vraiment lui faire plaisir et ça va l'améliorer dans son travail d'artiste. Ok. Et au passage, j'avais lu le commentaire d'un abonné qui disait qu'il est très talentueux, mais il n'y a pas d'agressivité dans ses flows. Et c'est pas faux. Je vais en discuter avec lui. Maintenant, parlons de pourquoi Ibawa ne fait pas de vues. Non. Parlons des couples et tout fans. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre que j'aime. Vous savez pourquoi j'aime ce titre-là? Bokilibo de tout fan. J'ai réalisé par ce titre-là combien de fois ce groupe était faisait des hits. C'est parce que hic là que j'ai réalisé ça en fait. Parce que ils ont compris un peu l'industrie musicale, comment les mélomanes apprécient notre musique de nos jours en tout cas. Sincèrement pour vous dire, hein, de nos jours, les textes, ça paye peu, honnêtement. Voilà, je vous dis pas, si un de vos artistes ou un de vos idoles fait sortir un album, il faut pas qu'il mette des titres où il y a beaucoup de phrases censées dedans, mais je veux dire, si tu as envie de plus vendre, il faut avoir la recette du groupe Les Toofans parce qu'ils ont compris ça dès le départ. Voilà, voici un groupe qui est sorti de nulle part, qui a commencé avec des titres comme Délogé et qui n'a rien lâché jusqu'à aujourd'hui. Depuis lors, tous les hits qu'ils font sortir marchent et cartonnent à travers le monde. Et ça, c'est encouragé. Et dernièrement, ils ont sorti un autre hit, Bokribo. Quand vous écoutez le hit à la radio, ou bien dans vos écouteurs, ou bien sur votre smartphone, vous ne réalisez pas combien de fois ces artistes-là, ils sont forts. Voilà, Barabas et j'ai oublié le nom de l'autre là. Franchement, ils sont très forts. Ils ont compris les ingrédients pour faire un hit de nos jours. Sinon, quand vous écoutez les hits dans le fond, ils ne disent rien d'extraordinaire, mais c'est dansant et c'est chic. Et moi, je tenais à faire cette vidéo-là pour les féliciter et féliciter tout le Bénin parce que je sais pas s'ils sont des Béninois, mais ils sont Togolais. Bref, Togo, Bénin, ouais, je crois qu'ils sont Togolais. Je crois qu'ils sont Togolais. Ouais, le groupe des Toofans, ils sont Togolais. Voilà, je tiens vraiment à féliciter les Toofans et tout le Togo parce que franchement, ils font la fierté du Togo et de l'Afrique. Franchement, Bokribo, je vous invite à aller voir. C'est un hit, il est très intéressant. Il faut aller streamer sur les plateformes et l'acheter si possible et écouter-le dans un home cinéma ou bien en boîte de nuit. Vous allez voir combien de fois les Toofans sont très forts.
Bref, parlons maintenant du problème Ibawan et ses vues. En fait, chère Gladia, je vous comprends et je m'excuse aussi auprès de certains. Vous savez pourquoi Ibawan ne fait pas beaucoup de vues? C'est parce que Ibawan n'est pas un acheteur de vues. Quand je dis un acheteur de vues, Ibawan ne sponsorise pas ses clips vidéo. C'est-à-dire il compte que sur sa fanbase, c'est-à-dire il compte sur ses vrais Gladia pour lui donner ses vues. Donc moi, je pense que, pour ma part, ces artistes-là sont à applaudir, ces artistes-là sont à encourager. Même si, pour une meilleure percée, on va lui demander de commencer à sponsoriser ses clips vidéo. Mais je comprends maintenant. Parce que quand je vois des artistes comme INOS-B, je vais dire INOS-B, Fally Ipupa, Damso, même les stars américaines, beaucoup, beaucoup de stars américaines sponsorisaient leurs clips vidéo. Je comprends en fait. Je comprends en fait pourquoi mon Ibawan peine à décoller souvent. Parce que ses vues sont réelles en fait. Voilà. Quand ils sortent un morceau que vous voyez, 200, 300 000 vues en un jour, ou bien 500 000 vues en un jour, c'est parce que il y a des gars qui ont su que Ibawan a sorti une œuvre musicale, un clip vidéo. Donc ce sont des hommes qui sont allés volontairement voir ce clip-là. Or, dans la sponsorisation des clips, c'est YouTube qui se charge de mettre les clips de ces artistes-là sur des chaînes monétisées comme la bien et bien d'autres chaînes. Voilà. Donc, honnêtement, chez Gladia, je ne vous demande pas de ne plus partager le lien des clips de Ibawan ou bien de ne pas vous abonner massivement sur sa chaîne. Mais il faut être fier de vous parce que les vues de votre artiste, ce sont de vraies vues. Ce ne sont pas des vues achetées, ce ne sont pas des vues truquées, ce ne sont pas des vues sponsorisées. Voilà. Donc, quand vous voyez 1 million de vues, 2 millions de vues sur la chaîne d'Ibawan, il faut savoir que c'est équivaut. Et je ne peux pas dire que c'est équivalent à 10-20 millions de vues de certains artistes parce que ce sont des gros, gros, gros sponsoriseurs des clips. Voilà. Ça, c'est à féliciter. C'est dans ce sens-là que je félicite des artistes comme DJ Kérosène, des artistes comme José, des artistes comme Debordo Likoufa qui comptent sur leurs fans. Et ça, c'est à féliciter. Je pense qu'il faut en être fier. Mais continuons à nous abonner aux chaînes de nos artistes, aux chaînes de ces artistes-là qui ne désirent pas sponsoriser leur clip vidéo, mais à la réalité, je pense qu'il faut sponsoriser. Parce que, mine de rien, vous chantez pour de l'argent, vous chantez pour subvenir aux besoins de votre famille. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être trop vrai et de compter sur vos vues vraies, c'est-à-dire vous les vues que vous donnent vos chers abonnés, vos chers fans. Voilà, il faut maintenant confier vos clips vidéo à YouTube. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Si naturellement tu arrivais à faire 10 millions de vues, 20 millions de vues, 15 millions, 5 millions de vues sans sponsoriser, je t'assure, cher artiste, que si tu décides de confier la sponsorisation de tes clips à YouTube, je pense que tu vas doubler tes performances. Ça, c'est clair. Tu vas nettement doubler tes performances. Donc, cher Gladia, continuez à partager le clip Marchandise et tous les autres clips de l'artiste Ibawan. Continuez à vous abonner à sa chaîne YouTube. Mais je vous ai expliqué un peu brièvement et de la manière la plus simple pourquoi Ibawan ne fait pas beaucoup de vues. Voilà, ces artistes-là et nombreux parmi eux sont des sponsoriseurs de vues. Voilà. Et si ils veulent le nier, je vais commencer à faire la capture quand je verrai les clips sur mes vidéos. Voilà. Donc, c'était la vidéo du jour. Fun, relax, tranquille. Abonnez, partagez-vous et laissez aussi vos avis en commentaire. Ou dire si c'est vrai ou faux ce que j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? J'attends vos commentaires, on se pince.